avril dernier à la population, qui était de 4,8 millions. On a senti l'adhésion de la population, on a eu des questions, mais on avait beaucoup des usagers de l'aréna qui se posaient des questions sur le processus, sur l'échéancier, en fait, et la durée du chantier de travail. Quelques questions aussi, évidemment, sur les plans, sur le projet. Depuis de cette rencontre d'avril-là, ben, le projet est monté à 6,5 millions. Les coûts ont augmenté, ce qui nous a forcé à revoir le projet avec nos architectes, nos ingénieurs. Et on leur a demandé de trouver des solutions pour diminuer le coût pour en arriver à un maximum de 5 millions. Et c'est ce qu'ils ont fait. Essentiellement, on est vraiment revenu à l'objectif initial de ce projet-là, c'est-à-dire d'isoler le bâtiment, de le mettre aux normes au niveau de l'électricité, la plomberie, système de réfrigération, et on veut le rendre accessible, l'adapter aux normes d'accessibilité universelle. C'est ce qu'on présente ce soir essentiellement avec le projet. Donc, on peut vous montrer un dessin, là. Il y a des projections qui avaient été présentées à la population en avril dernier avec des éléments un petit peu plus architecturaux pour avoir un design un peu plus intéressant, ce qu'on a retranché. De l'extérieur, le visuel va ressembler beaucoup à ce que c'est présentement. Évidemment, le revêtement va être différent, va être remplacé, la couleur va être différente. On va être dans le gris foncé avec des lignes gris pâle ou noir. Ouais, c'est gris, les lignes. En fait, c'est gris avec les lignes blanches. Gris avec des lignes blanches. On va attendre. Il va y avoir le changement de l'extérieur, ce qui va y avoir un nom de personne à l'extérieur, à l'avant du bâtiment, pour pouvoir avoir accès à la mezzanine. Donc, on va avoir une petite toiture qui va être agrandie un peu pour protéger cette infrastructure-là, cette installation-là. Mais c'est somme toute, ces changements-là sont mineurs. On a dû retirer aussi les travaux de génie civil, l'asphaltage, stationnement. Ça a été des choix difficiles, mais si on voulait respecter le budget qu'on s'était donné, puis la volonté de la population aussi, c'est des choix qu'on a dû faire. Donc, nous voilà aujourd'hui avec ce projet de règlement d'emprunt-là. Vous le voyez, vous allez voir de l'extérieur. En fait, on n'a pas les couleurs, mais déjà peut-être juste un petit peu plus haut, on l'a passé. C'est le plan de dévolution. Ah, OK. Vous voyez, le look sur le côté, bien, les parties grises foncées et blanches, c'est le design qui va ressembler. Puis à l'avant, la première photo en haut, on a les deux toitures. Celle de gauche est similaire à l'actuelle. Celle de droite va être un petit peu plus grande parce que, super, on voit là, le nom de personne est à gauche. La toiture de droite va être agrandie, en fait, la partie de gauche de la toiture à votre droite pour protéger cette installation-là. Donc, une fois rendu à la mezzanine, il va y avoir un accès. Les salles de bain vont être faites à la mezzanine pour les adapter, pour les rendre, pour qu'elles respectent les normes d'accessibilité universelle. Mais au niveau de la glace, il n'y aura pas de changement dans les salles des joueurs. Outre le plafond qui va être giclé pour que ça devienne coupe-feu. C'est les exigences réglementaires qu'on a. Mais sinon, initialement, on prévoyait rafraîchir les chambres des joueurs. Il va peut-être y avoir un peu de peinture dans les estrades, dans les chambres, mais sans plus. C'est quand même des éléments qui sont vieux, mais qui sont fonctionnels. Les douches avaient été refaites. On aurait aimé avoir quelque chose d'encore plus intéressant, mais pour l'essentiel, avec le projet qu'on propose aujourd'hui, on va être capable de propulser l'équipement pour les 30 prochaines années. C'est ce qu'on a toujours voulu faire. Maintenant, pour les échéanciers, pour les prochaines étapes, on a aussi mis en ligne une section spécifique que vous voyez sur le site web de la ville pour pouvoir informer la population, les usagers, des différentes étapes à venir, parce que c'est quand même un projet majeur qui suscite l'intérêt, puis on voulait que les gens puissent, nos citoyens puissent suivre ça. 16 juin, aujourd'hui, on adopte le règlement d'emprunt. Le 27 juin prochain, il y aura l'ouverture des registres d'approbation référendaire. C'est un processus réglementaire. Si les gens souhaitent s'opposer au projet, ils vont pouvoir le faire dès le 27. Et ensuite, le 20 juillet, on va faire la présentation des plans et des devis complets. On va recevoir les plans et devis complets. 8 septembre, on va pouvoir, c'est-à-dire 10 août, lancement d'appel d'offres, un petit peu plus tard. Et on s'attend, si on reçoit des offres, des soumissions conformes, évidemment,
on va pouvoir octroyer, ouvrir les soumissions et octroyer le contrat au cours du mois de septembre prochain. Et pour la suite, ben, il reste encore de l'inconnu, dépendamment du montant des soumissions, des entrepreneurs choisis pour évaluer la durée, le début des travaux. Ça va varier. On pensait débuter les travaux à l'automne initialement. À l'heure actuelle, on ne le sait pas, mais les deux options sont sur la table. C'est possible que l'aréna rouvre en octobre ou encore que les travaux débutent, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas. Dès qu'on aura l'information, évidemment, on va pouvoir informer la population. Alors, voilà pour le projet d'aréna. Ça vous va? On va envoyer là. Quelqu'un propose l'adoption du règlement d'emploi. Proposé par Mme Leblanc. Merci. Deuxième point de la séance ce soir, c'est le 5.2, terminaison de l'entente 2006 pour la gestion du lieu d'enfouissement technique de Saint-Alphonse. C'est une étape assez technique, là, mais dans l'objectif d'amener le compost à domicile, de faire la récupération du compost sur le territoire. L'ensemble des municipalités d'Avignon et de Bonaventure se sont mis ensemble, ont créé une régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles. Suite à ça, on a intégré le LET, le lieu d'enfouissement technique de Saint-Alphonse, à la régie. C'est quand même des démarches légales qui sont importantes et qui ont pris un certain temps, mais ce qui va nous permettre à la régie, à l'ensemble des municipalités, d'opérer ce site-là. Présentement, il est opéré par la municipalité de Saint-Alphonse. Et pour compléter ce transfert-là du LET vers la régie, l'ensemble des municipalités avaient une entente avec Saint-Alphonse pour enfouir leurs déchets. Et là, on se doit de terminer cette entente-là, puis on prend les mêmes modalités, mais on les transfère dans la régie. Ça va être la régie qui va être opératrice du LET, ce qui va nous permettre ensuite d'avancer vers des solutions de compostage. Puis, on y travaille très fort, mais ça, c'est une étape importante qu'on se doit de faire. L'ensemble des 23 municipalités des deux MRC doivent adopter cette résolution-là. Si vous êtes toujours d'accord, membre du conseil, vous avez une proposition pour l'adopter, proposée par M. Régis Leblanc. Merci. Ce qui nous amènerait à la période de commentaires et de questions. Moi, qui ai déjà que les conseillers, membres du conseil, il y a des questions, commentaires adressés au public. Bien, je voudrais juste rajouter quelque chose sans répéter ce que vous venez de dire, tout simplement pour dire à quel point que nous, on a eu plusieurs rencontres de travail pour parler de l'aréna. Et entre autres, comme M. le maire vient de nous dire, ça a été des choix, pas toujours évidents. Simplement pour dire à quel point que ça n'a pas été évident. Oui, on présente ça ce soir avec des changements depuis peut-être le mois d'avril, mais c'est sûr et certain que pour nous aussi, ce n'était pas évident de faire ces choix-là. Simplement dire qu'à quel point que on arrive avec ça, mais ce n'était pas évident. Simplement. Merci. J'ajouterais, ça me fait penser aussi là, un petit élément. Ce règlement d'emprunt-là part d'un estimé des architectes, des ingénieurs. Le vrai prix, on va le savoir lorsqu'on va ouvrir les soumissions. Merci. Il y a encore, on peut avoir des surprises positives ou négatives, mais on va savoir le réel prix au cours du mois d'août prochain. Alors, je serai à la période de commentaires et de questions pour les gens dans la salle. Oui, M. Sian. C'est une très bonne question. C'est un élément qui a été retranché aux dernières nouvelles, mais qu'on est en train de regarder. Moi, j'aimerais les avoir, mais on ne connaît pas l'impact et le coût de ça. Bon, c'est les architectes qui l'ont enlevé, mais moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on regarde un peu pour qu'on le réévalue. Mais genre. Sur le modèle exact, ouais. On n'a pas fait le choix encore, mais les personnes à mobilité réduite vont avoir quand même accès au gradin par le côté. C'est sûr que, tu sais, mais pour avoir accès à une salle de bain, il va falloir qu'ils passent par l'extérieur. C'est plus contraignant. T'sais, vous étiez là en séance publique, on a tenté l'option de mettre l'élévateur intérieur, mais face à ce qu'on... C'est sûr que ça a été retranché pour retomber à cet élément-là. Puis c'est sûr qu'on n'a pas remis le projet de 2020. On avait une rampe
avant qu'on a retranché, ça, je pense qu'on ne reviendra pas à ça, mais tu sais, c'est sûr que là, ça implique de sortir dehors pour avoir accès à une salle de bain. Ben, c'est plus la plomberie, l'électricité. Ça nécessitait une passerelle à l'intérieur aussi. Fait que c'était beaucoup de travaux quand même là, dans le béton, dans la structure, pour arriver à tous ces changements-là. Ben, on n'est pas dans les mêmes coûts, là, c'est sûr que. Oui. Ça, on va aller chercher, ouais. Oui, absolument, c'est des choix. Oui, mais juste pour bien comprendre, c'est sûr que. C'est des choix qu'il a fait, là. Moi, je ne mettrais pas en opposition l'aréna et le bâtiment sanitaire, là. Je pense que le bâtiment sanitaire à l'entrée du quai cet été, là, on l'a vu l'année passée. Là, on a travaillé avec la Marina qui en ont mis deux. Puis c'était très, très achalandé, même que les infrastructures ont brisé, n'étaient pas assez adéquates. C'est certain que je ne reviendrai pas là-dessus, là, mais pour le choix qu'on avait à faire avec le conseil, ben, initialement, il y avait, vous le savez, il y avait une rampe extérieure. On a décidé d'enlever. On a travaillé sur le projet qui. Avec l'élévateur à l'intérieur qui permettait d'avoir accès aux trois niveaux, mais qui demandait de tout réorganiser, de tout refaire, de changer le bureau, ça nécessitait de tout refaire l'ensemble des divisions, d'installer une structure à l'intérieur, une rampe aussi. C'était assez complexe comme ampleur de travaux. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de revenir à la version qui avait été présentée pour aller chercher une subvention. On va s'assurer que l'équipement soit adéquat à l'extérieur pour répondre aux besoins, ça c'est sûr, là, t'sais. Ben, ça nécessite parce qu'il faut tout brasser l'intérieur, les divisions et compagnie, là. La cantine, le bureau des employés, il faut faire une passerelle aussi ensuite pour se rendre plus loin sur la mezzanine. C'est pour ça que l'option qu'on a choisie, c'est de s'assurer, ce qui n'est pas le cas actuellement, d'avoir un accès sur l'ensemble de la mezzanine, d'avoir des salles de bain adaptées, d'avoir cette section-là. Vous dites que ça ne serait pas utile d'avoir l'accès à la mezzanine? C'est ce que je n'avais pas capté, là, mais. Ben, je comprends que dans l'idéal, ça serait vraiment intéressant d'avoir accès partout, mais il y a des gens dans les tournois de hockey, il y a des gens dans la mezzanine, puis en plus, c'est un lieu qui va être réaménagé, qui va être en plus. Moi, ma fille fait des cours de patinage artistique, puis tous les dimanches, je les ai passés en mezzanine, puis j'ai regardé faire du patinage, là. Puis l'ensemble des parents étaient là. Je comprends que ce serait le fun de donner toutes les options à tous les utilisateurs puis à tous les parents, mais à choisir entre la situation actuelle puis ce qu'on propose, je pense qu'on fait des gains intéressants. Pas parfaits, mais à tout le moins intéressants qui nous permettent de réaliser le projet.
Oui, mais à ce moment-là, il faut tout refaire la configuration, il faut tout refaire les chambres des joueurs, tu sais, faut. C'est ce que les ingénieurs, les architectes nous ont dit, là. Ben, c'est exactement ce qu'on avait. C'est exactement ce qu'il y avait, mais ben, aller descendre ou monter, ça revient au même, là. C'est même. Mais rendu en bas, faut avoir les salles de bain doivent être adaptées. Il n'y a pas d'espace. Donc, faut défaire les divisions pour faire des salles de bain adaptées, ce qui nécessite de tout rebrasser. Puis là, on faut refaire la plomberie pour réajuster. Puis c'est là que ça augmente, là. Ah ben là, ce scénario-là, on ne l'a pas fait évaluer en détail, là. Je peux vous dire que. Non, ben, je viens de vous le dire ce qu'on veut faire, là. Ben, y a les vitres, là, ça, c'est une option qu'on est en train d'évaluer, mais à part cette option-là, il n'y aura pas de changement, là. T'sais, la volonté du conseil, on vous l'a présenté ce soir, là. Pas du tout ce qu'on a présenté ce soir. Ce qu'on a présenté, c'est une mezzanine qui est adaptée avec des salles de bain adaptées puis un espace adéquat qui est dans l'espace aussi qui est chauffé pour pouvoir assister aux événements puis participer. Ben, je respecte, c'est bien reçu, là, je comprends. C'est bien reçu. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou questions? Sinon, on pourrait procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Pour M. Leblanc, merci. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci.